Est-ce que l'amour est mort Est-ce qu'on peut réellement être heureux, heureuse en amour au quotidien Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis Alexandre Cormont, votre conseiller sentimental depuis 2007. Et je comprends parfaitement que vous vous posiez des multitudes de questions concernant l'amour. Est-ce que c'est vraiment possible d'être heureux Est-ce que l'amour n'est pas finalement mort Ce n'est pas une ancienne conception qui ne s'adapte plus à notre société Oh là là, vous allez me faire m'enrager Franchement, en tant que coach en amour, depuis 2007, je défends cette notion de l'amour. Pour la simple et bonne raison que quand on regarde notre société, nous sommes dans une société de consommation. Le titre vraiment parfait, ce serait À la recherche du bonheur. Ce fameux film également avec Will Smith que j'adore. À la recherche du bonheur, c'est la manière dont on pourrait définir notre quotidien. On veut toujours un superbe job, on veut toujours la dernière voiture, on veut voyager, on veut profiter, même si on n'a besoin de rien, on a juste envie d'être épanoui. Donc, la recherche du bonheur elle correspond à tout le monde, femmes, hommes, de 7 à je ne sais combien d'années. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'amour a changé, les amis. On, on ne se met pas en couple par amour, on ne se marie plus par amour. Si on le fait, là on va au-delà de grandes désillusions. Pourquoi Parce que l'amour s'entretient. Et le seul moyen d'avoir un couple solide, le seul moyen de se dire l'amour n'est pas mort et au contraire il est encore plus beau, c'est parce qu'aujourd'hui on peut inspirer l'autre. En réalité, grâce à l'amour, on peut accéder à un bonheur supplémentaire. Alors c'est important d'être heureux soi-même, c'est important de s'épanouir dans son quotidien personnel et le couple on doit le voir comme la petite cerise sur le gâteau. Donc si vous regardez cette minute coaching, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que l'amour est loin d'être mort. Au contraire, l'amour, c'est hyper puissant quand on veut accéder au bonheur. Mais il faut comprendre qu'on n'est plus dans l'amour sentimental, on est dans l'amour d'inspiration. Le but, c'est d'attirer l'autre, de l'inspirer, de lui donner envie, d'avoir une vie qui est vibrante, où on profite, où on est excité, où on vit des choses, où on partage, où on crée des souvenirs. Toutes les personnes que je coach en thérapie de couple, en coaching pour rupture amoureuse, même pour trouver l'amour, je leur apprends à créer des souvenirs. Si vous remarquez bien, tous les souvenirs positifs, c'est ce qui vous donne de la joie de vivre, c'est ce qui vous inspire au quotidien, c'est ce qui vous rend épanoui. Et c'est la raison pour laquelle je réalise ces minutes de coaching, parce que je sais que tout le monde ne peut pas réserver un coaching avec moi. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que l'amour est loin d'être mort. L'amour, c'est hyper puissant quand on arrive à les gérer. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile parce que bah, ce sont des émotions qui sont fortes, ce sont également des émotions qui sont nouvelles. Mais quand vous comprenez ce qu'est l'amour inspirationnel, derrière, vous allez voir que votre vie va changer radicalement. Je sais que vous avez pu, j'en parle régulièrement sur ma chaîne désormais, vous avez pu rencontrer des personnes toxiques, des manipulateurs, manipulatrices, pervers narcissiques. Je sais qu'en amour, on a beaucoup souffert quand on regarde nos désillusions, les ruptures, on se pose beaucoup de questions, mais il y a eu également beaucoup de bonheur. Et quand vous faites un mix de tout et que vous êtes capable de rentrer dans l'amour inspirationnel, je peux vous garantir que derrière, votre vie tout entière va continuer d'être épanouissante. Et vous allez pouvoir construire et bâtir comme jamais, parce que vous allez être à deux beaucoup plus fort que tout seul. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être épanoui, même en étant célibataire. Vous savez, j'en fais moi-même mon credo. C'est important que vous ayez tout simplement du bonheur au quotidien. Je vous réalise cette minute coaching en direct du Japon. On a réservé avec toute mon équipe un mini temple et on passe du super bon temps. Ça nous permet de nous retrouver grâce à la méditation, grâce à une zénitude et aussi au tournage des minutes coaching parce que je voulais vous inspirer au travers de mes voyages, au travers de mes obligations professionnelles puisque je réalise aussi une belle conférence sur Tokyo. En tout cas, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que l'amour n'est pas mort. L'amour peut-être qui vous a fait souffrir jusqu'à maintenant. Mais si vous regardez mes vidéos et que vous passez à l'action, il n'y a aucune raison que vous continuez de souffrir. Si vous voulez aller plus loin, je serai très heureux d'être votre coach. Vous pouvez réserver des séances de coaching privées, confidentielles avec moi. Il suffit de venir sur mon site alexandrecormon.com. Je vous invite tout simplement à mettre un petit pouce bleu, un petit like, à partager cette vidéo et surtout, abonnez-vous à cette chaîne parce qu'on a créé ensemble la première chaîne du bonheur en amour. Je vous dis à très vite, les amis. Ciao, ciao.